Bonjour à tous, je suis Yannick Josion, président fondateur des laboratoires Jardin Occitanie. Et aujourd'hui, je suis avec Jérôme Ombroussou, titulaire de la pharmacie Catalo à Grolier. Nous sommes ici devant le rayon santé naturelle de la pharmacie. Où vous avez fait le choix d'intégrer l'ensemble de la gamme compléments alimentaires et infusions de Jardin Occitanie. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? C'est vrai que ça fait quelques années déjà que la pharmacie, on veut développer vraiment la phytothérapie et l'herboristerie en règle générale. Et c'est vrai qu'on a voulu vraiment se différencier pour nos patients avec la gamme des Jardins Occitanie qui nous amène une certaine sécurité et en plus maintenant une gamme qui s'est développée où on peut répondre un petit peu à toutes les demandes des patients. Donc nous essayons d'être le plus transparent possible et c'est pourquoi nous avons souhaité titrer le complément alimentaire en actifs végétaux. Est-ce le plus selon vous? Ah oui, c'est un plus parce qu'en tant que pharmacien de cuisine, c'est quelque chose qui est important pour nous d'avoir une certaine sécurité pour nos patients. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps d'analyser un petit peu chaque gamme. Et là, ça nous permet, avec un circuit court, des plantes bio, une fabrication française, on connaît l'origine. Donc ça nous permet pour nous d'assurer quand même pour nos patients une transparence totale et une qualité du produit surtout. Merci Jérôme de nous avoir accueillis et de nous faire confiance. Est-ce que vous recommanderiez donc le Jardin Occitanie à votre pharmacie? Ah oui, bien sûr, ça fait déjà 3 ans qu'on essaie avec Pharma 15 et l'alternative Pharma 15 de développer un petit peu les Jardins Occitanie dans nos pharmacies occitanes et on va tout faire pour que ça continue.